Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre des tresses plaquées. Donc je vais vous montrer la tresse plaquée simple que tout le monde fait. Donc la tresse plaquée vraiment plaquée. Et la Dutch braid, donc c'est une tresse plaquée pareil. Mais celle-ci, elle ressort en fait. Au lieu d'être vraiment plaquée sur la tête, elle ressort. La tresse ressort du crâne. Donc voilà, donc c'est parti. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer comment faire une tresse donc normale. Parce qu'il y a dans mes abonnés des personnes qui ne savent pas faire une tresse. Du coup, je pensais leur montrer comment faire une tresse avant de vous montrer la tresse plaquée. Je pense que ce sera plus simple. Et la tresse inversée, puisque la Dutch braid se fait en tresse inversée. Donc je vais commencer par la tresse normale. Donc je vous montre sur cette partie de ma tête. Donc on divise en 3 et on passe par-dessus de cette façon-là. Hop. Donc je vais essayer de vous expliquer. Donc on attrape les 3 mèches et on passe donc de gauche au milieu. En essayant d'attraper tous les... Si vous arrivez à faire en sorte que tous les doigts arrivent à travailler de droite à gauche et de gauche à droite, et on continue en fait, c'est une fois droite milieu, une fois gauche milieu, et ainsi de suite. Comme ceci. Et voilà, et ensuite vous avez une tresse, donc moi je vais pas y aller plus loin, sinon la vidéo elle va durer trop longtemps. Et j'aimerais bien vous faire un truc pas très long, puisque c'est pas mon but. Donc voilà, pour la tresse, une tresse simple. Donc pour une tresse simple, ça donne ça. Donc ça va de l'extérieur vers l'intérieur, ça rentre au milieu, et je vais vous montrer que de l'autre sens, c'est plutôt l'inverse, ça part du milieu vers l'extérieur. Donc pareil, on prend la mèche, on la divise en 3, et à la place de faire par-dessus comme ceci, comme on a fait tout à l'heure, cette fois-ci, on fait par-dessous. Donc on va faire droite, milieu, gauche, milieu, droite, milieu, gauche, milieu, droite, milieu, et ainsi de suite. Les extrémités viennent toujours au centre, une par une. Et là, je vous montre qu'en fait, par rapport à celle-ci, donc je peux l'attacher parce que je vais la retirer dans 30 secondes. Donc par rapport à celle-ci, je ne sais pas si vous voyez la différence, celle-ci, ça fait vers le milieu et celle-ci, ça fait ça. En fait, celle-ci, elle fait du haut vers le bas et celle-ci, elle fait du bas vers le haut. Voilà pour la petite explication. Donc maintenant, je vais vous montrer en tresse plaquée. Donc je vais revenir sur la tresse simple. Donc voilà, j'ai tout retiré. Donc maintenant, je reviens sur la tresse simple plaquée. Donc je vais vous la montrer sur le côté là, toujours. Donc on prend une petite mèche et on divise en 3. Et pareil, on passe par-dessus. Donc droite, dessus, gauche, dessus, donc pour revenir au milieu, et ensuite on attrape une petite mèche qu'on ajoute à la droite, vu que la gauche vient de passer, ça à la droite de passer au-dessus, donc on la passe par-dessus. Je vais tirer parce que ma peau est bien avec, donc je sais pas si vous voyez bien, j'espère. Et ensuite la gauche doit passer au milieu, donc on va rajouter une petite mèche à la gauche et elle passe tout de suite au milieu. Et on vient prendre ça du milieu pour la mettre à gauche. Donc ensuite,
c'est à celle-ci de passer au milieu. Donc elle vient attraper une mèche et elle va venir au milieu et celle du milieu vient à droite. Donc ouais, je vais essayer de bien la plaquer. Donc voilà. Donc ensuite, c'est à la gauche de passer. Donc on attrape une mèche et on la passe au-dessus. Et on vient rattraper celle du milieu derrière. Hop. Ensuite, ça, celle-ci passée. Donc on attrape une mèche, on ajoute et elle passe au-dessus. Et on vient rattraper celle du milieu sur le côté. Voilà. Et je vais continuer ma tresse. Et j'espère qu'on verra bien, que ça fera joli pour faire une jolie photo. Donc, ah bah regardez, moi je me la suis fait tout seul, j'ai pas l'habitude et du coup ça fait pas très 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 très, très joli. Mais j'espère que vous aurez compris le principe. Parce que le plus important c'est le principe. Tant que vous savez le refaire sur vous ou sur quelqu'un d'autre. Moi je veux juste que ça vous aide, peu importe si ça fait joli ou pas ce que je me suis fait. Tant que ça peut vous aider, pour moi c'est le principal. Donc voilà. Donc je vais terminer comme ceci. Et je vais attacher. Voilà. Donc je vais attacher ça. Et on inversé. Donc j'ai déjà préparé. Donc pareil, on divise la mèche en 3. Et au lieu de faire comme tout à l'heure par-dessus, on fait par-dessous. Donc on commence en tresse normale, puis on ajoute au fur et à mesure. Donc hop, on ajoute par celle qui passe. Donc. Ensuite, droite, on ajoute. Gauche. Donc essayez d'ajouter à chaque fois la même quantité de mèches pour que ça fasse joli. Attaché. Donc je pense qu'elle est jolie celle-ci. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. J'espère que grâce à cette petite vidéo, vous saurez faire une tresse plaquée ou même une tresse simple pour celles qui ne savaient pas faire de tresse simple. J'espère qu'elle aura pu vous aider. En tout cas, moi j'ai pris du plaisir à vous la montrer. J'ai un peu galéré, mais j'ai essayé de faire en sorte que ça se voyait pas trop. Donc parce qu'en fait, j'arrive pas tellement à faire les tresses sur moi. J'arrive mieux à faire la tresse inversée plaquée que la tresse simple plaquée. Donc j'ai fait un gros effort en vous la montrant. Et du coup, j'espère que ça vous aidera au maximum. Et dites-moi en commentaire si vous avez réussi à la faire. Parce que franchement, ça me ferait trop plaisir que j'aurais pu vous aider à réussir à faire une tresse plaquée. Ou même pour celles qui savent pas faire de tresse, tout simplement, j'espère que j'aurais pu vous aider. Et ça me ferait super plaisir de savoir que je vous ai aidé. Et n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle a pu vous aider ou si vous l'avez aimée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait super plaisir, ça m'encourage. Et franchement, quand je vois mes abonnés monter, je suis de plus en plus contente. Encore 70 abonnés, on sera arrivé à 200, mon objectif pour le moment. Donc voilà, ça me fait super plaisir. Et merci à tous ceux qui nous ont rejoints, merci à tous ceux qui me suivent depuis mes débuts ou même depuis peu. Je vous fais tout plein de gros bisous, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais tout plein de gros bisous. Bye bye.